Allez, vous savez quoi, on démarre. Je vais attendre que tout le monde arrive à 13h pour faire les sujets, mais il n'y a pas de raison. Là, je suis en train de finir de copier tous les petits liens là, que je vais vous partager et tout. Donc autant que vous en profitiez en même temps. Et puis, j'espère que ça s'est bien passé cette semaine. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des congés. Alors, hello Nicolas NHIX. Salut, bienvenue. Salut Goose. Ah bah si tu penses à moi chaque fois que tu fais du Python, me voilà heureux. Alors, hop, on va essayer de rien-oublier ce coup-ci. Essayer de mettre tous les liens comme il faut. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que je fasse comme ça. Ça y est, je me rappelle pourquoi je lance pas le stream à l'avance. Mais c'est pas grave, je ferai à l'ancienne, n'inquiétez pas pour moi. Hop. Si je change les liens dans le logiciel de gestion du Stream Deck. Il change les vues en même temps. Alors ça marche. Je vais faire un test. Hein. Ah non, ils ont amélioré le truc. Ça switch pas. Ok. Bah écoute, moi ça va, monsieur Goose. Ça me fait bizarre de me dire que je vais travailler une semaine complète de 5 jours. On s'habitue vite, je trouve. À des semaines plus légères, hein, comme quoi il y aurait moyen d'avoir un planning allégé sans trop s'en plaindre. Ah, tu as vu le message sur Twitter? Et, ah oui, je continuerai à appeler ça Twitter. C'est pas Elon Musk qui va me faire changer pour un nom aussi ridicule qui n'est pas utilisable pratiquement. Il y a la semaine pro en 4 jours, ouais, ça serait déjà pas mal. Si la semaine pro en 4 jours n'arrive pas, je pense que j'étudierai la possibilité de passer à 80%, comme Olivier, que je salue, qui a eu un empêchement pour son live. Donc je vais tâcher de vous occuper. Je sais que vous êtes affamé quand vous n'avez pas eu Olivier juste avant. Donc je vais essayer de vous préparer un entrée plat dessert de qualité aujourd'hui. Donc je fais ce que je vous ai dit. Là, je suis en train de me copier les petits liens. Des petits sujets que j'ai mis de côté pour vous. Et un jour, j'automatiserai tout ça parce que, à force de dire que je fais du Python et tout ça, j'ai vu qu'il y avait quand même des trucs à faire. On en est encore un peu loin. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je vais vous partager aussi? Ça aussi. Hop. Ah, il y a des belles choses, vous allez voir. Il y a des belles choses. Voilà. Tac, ça ici. Ça impacte les cotisations pour la retraite. Ah, ouais. Le 80%? Oui, bah, probablement. Après, ça impacte. C'est toujours un rapport de. J'ai pas dit 80% et ne plus avoir de revenus. Il y a aussi moyen de discuter avec les différentes entreprises et employeurs, je pense. Mais tu as raison, ouais, parce que ça permettrait de libérer une vraie journée pour. Encore mieux préparer bah, les lives, peut-être pour l'associatif, ça serait l'occasion de, eh ben, d'avoir un petit peu plus de temps dédié, parce que je sais que tu fais beaucoup d'associatifs aussi. Et puis pour tous les petits projets qu'on a à droite à gauche qui peuvent servir à plein de gens finalement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais ouais, que le 80% vienne. Bref, je vais pas me lancer là-dedans. Je pense que nous sommes dans des métiers qui pourraient se permettre de continuer de nous payer et de nous passer à 80%. Ça tuerait personne. Qu'est-ce que je vous mets comme dernier lien? Non, ça on en parlera comme ça directement. Je vous montrerai avec la caméra. Salut Anbu, salut Stéphane. Bon, bah du coup, on va quasiment être pile poil à l'heure. Ne vous inquiétez pas, vous avez rien raté. C'est juste, j'ai décidé de démarrer tout en continuant de faire le setup de l'émission. Vu que je sais que vous étiez affamé de l'absence d'Olivier, qui n'a pas pu faire son live aujourd'hui, mais je suis sûr que tous ces sujets reviendront dès la semaine prochaine. On faisait un petit point sur les difficultés de reprendre une semaine de 5 jours, le grand classique. Eh ben écoutez, je pense que c'est pas mal. Toc, bah ça devrait marcher ça. Si je vais quand même chercher.
si je vous mets pas des liens sur les choses que je vais vous montrer, je vais à l'encontre des principes de calme. C'est pas normal. Je vous mets pas un lien out of stock sinon vous êtes capable de me dire que vous n'allez pas pouvoir l'acheter. Voilà. Hop. On va pouvoir démarrer du coup. Pile poil à l'heure, c'est pas trop beau ça? Salut, salut Kigorg. J'ai pas de détails sur ce qui se passe pour Olivier, mais il m'a dit de ne pas s'inquiéter. Donc on lui fait plein de bisous. Et je sais qu'il reviendra. Et puis vous pouvez toujours le suivre sur Twitter. Il fait toujours ses petits messages quotidiens sur les petites découvertes et annonces et actualités techno. Donc vous pouvez continuer de le suivre. Eh ben, je vous propose qu'on démarre, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va le faire? Donc ouais, j'ai passé des jours finalement à pas faire tant de tech que ça. J'ai avancé sur en haut de petits trucs que je vais vous montrer là dès que je vais allumer tout à l'heure la caméra. Mais rien d'extraordinaire. Je suis pas très content de. J'ai des choses que j'ai dû merder en soudure là. Le Z-Lightbit que je vous avais montré l'autre fois, j'ai déconné une soudure certes, mais là je crois que j'ai dû faire autre chose. Il y a l'alimentation qui passe pas, donc je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas encore trouvé l'explication, donc je suis toujours là-dessus, dans les projets concrets. Et puis je vous montrerai vite fait. Ah bah si j'ai ça aussi, ouais. Oula. Si tout se pète la gueule, ah bah très bien. J'avais mis en place un joli setup de caméra pour la suite et je crois que je viens de tout foutre en l'air. C'est pas grave. Eh ben allons-y, allons-o. On va commencer tout de suite avec. Ça tombe bien puisque Philippe, tu es là en même temps. Hop. Je voulais vous parler. Alors j'ai vu plusieurs sujets. Il y a une espèce de tendance, je sais pas, mais en tout cas, Philippe, tu as dû ouvrir une brèche. C'est donc Philippe qui a. Parmi ces innombrables projets, je sais pas, il faut inventer un mot, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parmi les projets de Philippe, il y a un nouveau projet qu'il a appelé Parakeet for Shell. Et c'est une série de. Je vous ai mis le lien sur le post qu'il annonçait. Mais il y a bien entendu le projet sur GitHub avec le code source. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'une façon. D'utiliser là en l'occurrence un modèle Ollama avec votre petite compétence à vous pour tout ce qui est les scripts shell. Donc il vous explique comment vous allez pouvoir interroger ce genre de modèle et avoir vos réponses. Il y a un petit chat completion, il y a voilà, un certain nombre de choses. Un petit coucou à Sylvain pour les discussions a priori sur curl. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, il doit y avoir du curl dessous et du JQ, j'imagine. Est-ce qu'on peut aller regarder la tête que ça, sans te faire vibrer, tout va bien. Ça ne marche pas sous Mac, je ne veux pas faire la démonstration à l'instant, je voulais que les gens sachent que ça existe, ne t'inquiète pas. Mais probablement qu'il ne me manque pas grand-chose pour que ça marche sous Mac, je pense que j'ai ma petite idée. Si j'ai le temps, je regarderai avec un grand plaisir. Voilà, vous avez des appels aux API, aux URL d'API avec curl. Il y a une utilisation, voilà. Hop, un petit découpage du contenu, un generate stream. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, mais en script shell. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors que voici Madame la sous-préfète, non, voici Binogur qui débarque. Eh bien, écoute, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Hop. Je vois que le raid arrive. On va attendre que tout le monde déboule. On va reprendre 2 secondes. Salut. D'abord, merci Bino. Ça fait longtemps que je ne suis pas repassé, j'avoue. J'ai un peu moins joué. Donc on était en train de faire le tour du premier sujet. Bon appétit, Bino. À très bientôt. Faudra que je repasse voir un petit peu où tu en es dans tous tes projets. Ça m'intéresse toujours autant. Bon app! Et puis, bah, tous ceux qui sont arrivés avec Binogur, vous pouvez rester 2 secondes. Si ça vous intéresse, vous nous direz ça tout de suite. On était en train de parler du projet Parakeet for Shell, un projet de Philippe qui est ici, là, aujourd'hui, dans le chat,
qui permet d'interroger un modèle d'IA générative au Llama à partir de script bash. Donc voilà, c'était suffisamment original pour que je vous en parle et je ne désespère pas de l'utiliser et puis de faire une petite démo avec parce que je trouve ça délicieux, monsieur Philippe, ce genre de projet. Ça a une saveur particulière. Et on avait une question de Steph qui disait, la vraie question est comment Philippe choisit le nom de ses projets? C'est une vraie question. Et alors, si tu regardes bien, ça va loin, puisque même l'organisation qui héberge ce projet, c'est carrément Parakeet Nest. Donc, nous avons le nid des perroquets, avec ses différents projets, la librairie Go, la version en shell, et puis un certain nombre de ses autres projets. Donc, n'hésitez pas. Perruche, pardon, c'est pas perroquet. J'ai dit, tu vois, merci. Bien sûr, perruche, perruche. Avec le joli petit dessin. Je sais pas si je peux l'agrandir là. Tu dois l'avoir dans un de tes repositories, non? Il est très joli. J'aime beaucoup. Ça grossit pas tellement plus. J'aime beaucoup cette petite perruche avec ce petit bébé lama. C'est très joli. Donc voilà le premier sujet dont je voulais vous parler. Le deuxième sujet. Tu réfléchis à comment faire les embeddings avec Bash et Hawk? Alors si tu fais des embeddings avec Bash et Hawk, vu que tu as visiblement déjà un truc qui marche sur Linux et pas sous macOS, sache qu'avec Hawk, il faut faire attention à Hawk sur Mac. Je ne sais plus dans quel sens c'est, mais en tout cas, il faut installer le GNU Hawk toi-même pour être sûr d'avoir la même syntaxe que sur la version Linux. Sinon, il y a trop de différences. Ça ne marche pas directement. En tout cas, les scripts Hawk ont tendance à ne pas marcher sous macOS directement. Donc voilà. Pour une fois que voilà, j'avais ça en tête. La deuxième chose que je voulais vous partager, hop, on y va, on y va. C'est suite à un petit message de Nidouille, coucou Nidouille, qui parlait d'un projet chez CIPID, oui, CIPID, basé sur un anneau RISC 5, RISC V. Je ne sais jamais si on dit RISC V, RISC 5, si vous avez un avis, n'hésitez pas. Et je réponds au passage à la question de Antoine. Coucou, salut. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà fait de la 3D? Qu'est-ce que tu appelles fait de la 3D? Je suis pas, j'ai pas un côté artiste sur la 3D. J'ai fait de la modélisation 3D quand je faisais des jeux chez Infogrames, un petit peu. Et puis j'en fais un peu pour des projets. Ah, du modeling sur logiciel. J'ai dû faire 2-3 séquences pour imprimer des objets, mais pas du modeling au sens artistique du terme. J'ai dû faire quelques vidéos, notamment avec. Voilà, il suffit que je veuille en parler pour que ça me sorte. Shaper 3D. Voilà, mais c'est à peu près tout ce que j'ai dû faire comme live et comme vidéo. Si c'était ça, je ne sais pas. Et je regardais le message de Philippe. Oui, tu as des problèmes avec l'utilisation de TR sur le Mac, mais on regardera, ouais, parce qu'il y a peut-être un truc un peu similaire. Méfie-toi des outils de base du Mac. Certains sont posés depuis des années, jamais mis à jour, et du coup, ils marchent plus de la même façon. Ah, ok. Eh bien, écoute, Antoine, l'appel est lancé. Si vous voulez, ben, je sais pas, mais peut-être un alias, je sais pas, sur Twitter, quelque part où on peut te joindre, hein, te gêne pas, puisque après, quand je rediffuse ça, je le mets en replay sur YouTube. Donc, on a Antoine qui recherche quelqu'un qui pourrait l'aider sur un souci sur Maya. Donc là, je ne pourrais pas t'aider parce que Maya, je l'ai vu manipulé par des graphistes quand j'étais chez Infogrames en 1996-17. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Donc non, désolé, je pourrais pas t'aider sur Maya aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais si quelqu'un dans le chat a des idées sur Maya et sait bosser avec Maya, n'hésitez pas à prendre contact avec Antoine. Donc je vous parlais du petit projet que Nidouille nous a mis l'autre jour sur Twitter, qui est en fait un KVMIP qui est en cours d'élaboration, qui devrait vraiment être low cost puisqu'il serait à 20 $, ce qui est vraiment pas cher pour un KVMIP, alors peut-être avec un petit côté un peu bricolo, mais c'est pas ça qui me dérange, qui permettrait d'avoir de la gestion visiblement. Alors il montre à chaque fois de la gestion d'écran, je sais pas si la partie KVM se limite à la partie pure HDMI, je suppose que oui, il n'y a pas la partie clavier aussi, mais
Voilà un projet à garder à l'œil. C'est pas, je crois qu'elle m'avait répondu. Tac. Ce sera en vente d'ici la fin de l'année. Et Sipid, visiblement, a d'autres produits sous le coude. Donc c'est un peu dans la lignée. Là, bah, c'était cité. Le projet Pike AVM, que je peux vous montrer au passage. Voilà. Qui est pour vous monter un KVM IP pareil, mais avec un Raspberry, donc c'est tout un projet. Donc, si c'est le genre de sujet qui vous branche, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Voilà. Petit sujet suivant, hop, je vous donne le lien. Ouh là là, et je me rends compte que, alors c'est pas grave, le lien, je vais le développer tout de suite, mais. Je vous mets le lien sur le Discord si vous voulez venir discuter avec toute la communauté de Calm des différents sujets que vous voyez passer, que ce soit pendant les lives sur Twitch ou en replay après sur YouTube. Une news que j'ai vu passer qui concerne VS Code, qui dorénavant va supporter le modèle de composants WebAssembly qui permettra de créer des extensions pour VS Code, pour l'éditeur. Avec Wasm. Si vous allez sur le blog, il y a beaucoup plus de détails, évidemment. Notamment le fait que ça vient un petit peu des évolutions côté WASI, hein, avec la WASI 02 preview depuis janvier. Il y avait donc le component model, et donc ils ont bossé avec ça. Et donc on vous montre un petit peu comment mettre en place une extension en WebAssembly pour VS Code, ce qui permettra d'avoir tous les avantages de WebAssembly, hein, les éventuels multilangages en termes de code que vous allez pouvoir utiliser, enfin ce genre de choses. C'est pas moi qui vais vous faire le meilleur article de WebAssembly, je ne suis pas assez connaisseur, mais en tout cas, je pense que c'est une corde supplémentaire intéressante à VS Code, dont je continue de dire que c'est un superbe outil, même s'il faut toujours se méfier quand un outil appartient malgré tout à une société au final. Voilà. Dans les autres liens que je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'ai. Hop. Cette semaine, c'est du full Twitter, là, les petits signés que je me suis fait. J'ai noté des choses dans mon Notion là, au fur et à mesure que je naviguais ces jours-ci, mais c'est pour plus tard, ça demande un petit peu plus de boulot. Nous avons un tweet de Léa Linux qui nous présente le projet Deep Speech, qui est un projet open source qui est surtout l'intérêt qui est offline pour faire du speech to text. Et qui est, hop, si on y va tout de suite sur le GitHub, qui est un projet hop, sous l'ombrelle de Mozilla. Est-ce que c'est assez zoomé? Ouais, je pense. Et donc, hop, si je descends là, vous avez toutes les explications, toutes les docs pour l'installation, l'usage, comment l'entraînement des modèles a été fait, comment vous pouvez faire l'entraînement, je suppose, de vos propres modèles vu qu'ils fournissent les informations. Donc là, on vous explique comment l'utiliser pour faire une transcription. Le premier exemple là qu'on a, il vous montre comment installer le modèle, les librairies qui vont avec, l'outil Deep Speech qui est un package Python. Et il vous montre à l'arrivée comment l'utiliser pour faire une transcription d'un fichier audio anglais. Donc il y a d'autres, évidemment d'autres modèles. Je ne sais pas si c'est tout dans. Où est-ce qu'ils indiquent les modèles? Il me semblait que j'avais vu du détail. Pourtant. Ah oui, ce qu'ils considèrent que c'est dans la release, ok. Dans la partie download. Hop. Ah, je pensais qu'il y aurait plus de. Ah, mais chaque release, il n'y a pas l'intégrale de tous les modèles à chaque release, c'est ça? Ok. Enfin bref, ça, je compte l'utiliser avec ce que je vais vous montrer tout de suite après. Je serais très curieux de voir comment ça fonctionne,
quelles sont les ressources nécessaires. L'idée est de voir si, parce que j'avais eu à l'époque un petit modèle, peut-être pas ultra efficace, mais qui fonctionnait pas trop mal sur un Raspberry, à l'époque un Raspberry Pi 3. Donc c'était pas des modèles peut-être aussi complets. Donc je voulais savoir s'il y a un équilibre, est-ce qu'il y a une version suffisamment légère pour fonctionner sur un Raspberry Pi 5. Hein. Je vais pas être chien non plus, hein. Je vais fournir un Pi 5 dans l'histoire. J'espère que ça fonctionnera, parce que ça serait l'occasion de remettre un petit peu au goût du jour là, mes petits projets là de. J'avais mon assistant Dobby qui fonctionnait à la maison sur un peu de reco vocal, mais j'étais jamais allé très loin parce que les commandes n'étaient pas, c'était pas ultra fiable quoi. J'avais fait une espèce de Alexa, mais c'était pas aussi fiable. Donc je voulais voir ce que ça donne et voir si le Pi est capable de faire tourner, au moins pour de la reconnaissance. Je sais pas s'il y a moyen de spécialiser un peu le modèle, on verra. Et je vous tiendrai au courant, évidemment. Hop. Et les derniers éléments que je voulais vous montrer. Est-ce que mon. Si, ouais, ça marche. Alors, ça n'a pas trop foutu en l'air la caméra. Si, quand même un peu. Voilà, on va faire avec ça. Je voulais vous montrer deux choses. La première, je vous mets le lien, hop, dans le chat. Je vais vous le montrer. On ira sur la page tout de suite après. Ah, j'ai remis Deep Speech. Ah, là, je me suis trompé, vous voyez. C'est pas ce lien-là que je voulais vous remettre. Je vais vous le copier. Où est-ce que je l'ai mis? Et ben alors, je l'ai fermé. Voilà. Je vous prépare le petit lien pour vous donner envie d'acheter tout ça après, bien sûr. Voilà, j'ai le lien. Je vous le mets juste après. Je me décale. Pour que vous m'entendiez quand même, et en changeant d'emplacement, vous me verrez moins, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous voyez déjà ça. Il s'agit d'un Raspberry Pi 5 avec le hat de chez Pimoroni qui permet d'utiliser un SSD. Donc, je sais pas si vous allez l'apercevoir. Voilà, on voit là. Oh là, c'est pas évident. On aperçoit dans le sandwich ici. Vous avez hop, le SSD qui est juste là. Là, c'est le ventilo de base hein, que j'avais dans mon kit. Et donc, ça vous permet. Je ne sais même plus. Si. Ça vous permet, là en l'occurrence, j'ai pris l'option à 256 Go. Ça vous permet d'avoir un véritable disque et non pas une carte micro SD et avoir beaucoup plus de stockage et en tout cas sur un système peut-être un peu plus classique, peut-être un peu plus pérenne, on verra. Et en tout cas voilà, c'est avec ce genre de petite machine là que je vais essayer de me faire quelques modèles. Alors je suivrai avec attention toutes les consignes et on y reviendra sûrement tous les lives qu'a proposé ces derniers temps Philippe, Monsieur Kigorg, où il nous a montré aussi un certain nombre de choses qu'il fait avec des Raspberry et des modèles d'IA générative. Et j'espère que j'arriverai à des résultats sympathiques moi aussi. On reviendra tout de suite derrière, je vous montre tout avec la caméra tout de suite. Et le deuxième que je voulais vous montrer, j'avais mis des photos sur le Discord de Calm. C'est ce très très joli boîtier qui est fabriqué. Alors je crois que le fabricant c'est Argon et le modèle c'est le Neo 5. Voilà, je vous montre le côté. Et puis je vais surtout vous montrer comment il est fait à l'intérieur. Comme je suis un professionnel, j'ai évidemment absolument pas préparé mon tournevis mais qui est juste à côté. Hop. Que j'aille voir à l'occasion si. Ils ont toujours, mais je vous conseille les boîtes d'outillage de chez iFixit. C'est vraiment un zéro partenariat comme d'habitude. Je fais pas un rond avec tout ça, mais ça fait un kit d'outils que je trouve extrêmement bien conçu. Hop. Donc, il y a quatre vis sur le boîtier et j'avais oublié une chose intéressante.
Il y a vraiment plein de petits détails intéressants. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, ce boîtier. J'attendais qu'il sorte pour Pi 5, parce que j'avais la version Pi 3. Attendez, je prends justement pour le dernier élément ici. Vous avez une toute petite vis. Hop, allons-y délicatement. Qui permet d'avoir un cache vissé, protégé, pour accéder à la carte SD. Je trouve ça vraiment très très bien d'avoir fait ce genre de petits détails. Hop, si je défais délicatement le dessous, donc vous voyez là le Raspberry à l'intérieur, avec ici vous avez le passage. Je suis pas assez décalé. Ah, c'est un Pi 5, mais ouais. Salut Nidouille. On a parlé de toi, tiens, tout à l'heure. J'ai parlé du KVMIP de Cipid. Et je voulais montrer le petit boîtier là, le Argon Neo 5. Voilà, ici, donc c'est là où il y a le petit cache tout à l'heure. Et hop, je vais vous montrer aussi de l'autre côté parce que je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. Donc pour Pi 3 c'était très bien, et pour Pi 5 c'est ce que j'étais en train de dire, c'est tout aussi bien. Alors, j'ai pas tout à fait dévissé évidemment. Hop. Voilà, et je trouve la réalisation vraiment de très 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 bonne facture. Donc là il y a le ventilo qui est déjà intégré. Vous avez malgré tout l'accès ici au port caméra, ici deux ports d'extension, tous les GPIO qui sont accessibles. Et après, vous pouvez évacuer vos fils. Ici, il y a des rainures qui ne seront pas bloquées ici par le reste du boîtier. Donc, ça permet d'utiliser le Pi habituellement. Là, vous avez accès à la nappe PCIe. Voilà. Si je vous montre, voilà, c'est juste ça se pose, ça s'emboîte. Alors, j'aurais peut-être pas dû, parce que là, il y a de la pâte thermique malgré tout. Peut-être pas trop jouer à le monter-démonter trop de fois. Voilà. Petite gaine pour protéger, ça c'est le câble du ventilo, et je trouve que c'est vraiment bien foutu quoi. C'est vraiment un très joli boîtier. Je vous conseille, si vous cherchez un boîtier pour vos Pi 5, je l'attendais depuis un moment là, je l'ai reçu et c'est vraiment pas mal du tout. Et hop, revenons à l'extension pour mettre un disque NVMe que j'ai acheté chez Pi Moroni. Je ferai des tests évidemment. Pour voir un peu comment ça se comporte, je vous montrerai ça à l'usage, puisque je vais faire tourner des modèles dessus, donc il va être sollicité. Et je vais aussi. Hop, j'avais oublié de le préparer celui-là. J'ai fait tous les autres quand même aujourd'hui. Hein. Voilà, au cas où, vous savez, chez Calm. Alors d'habitude, le message c'est ça se vend par deux, mais là déjà, si vous en prenez un, c'est pas mal. Et je sais même plus où je l'ai acheté, le boîtier Argon. Je l'ai acheté en France chez un distributeur. Ah ouais, chez Cubi. Je l'ai acheté chez Cubi. Cherchez pas les amis de chez Cubi. Voilà, donc ça coûte pas cher. Et voilà, vous avez des photos plus détaillées de ce que ça représente. Et je vais vous mettre le lien aussi au cas où il y a quelqu'un de motivé. Puis je les mettrai dans la description, bien entendu. Comme d'habitude, voilà. Tac. Et ce que j'ai complètement oublié, c'est de vous demander, pendant que j'étais en train de démarrer l'émission, si vous aviez, comme aujourd'hui c'est fait, vu qu'il n'y avait pas Olivier, si vous voulez qu'on étende un peu l'émission, si vous aviez des sujets que vous vouliez aborder. J'ai encore un petit truc à vous montrer, vous inquiétez pas, mais je lirai dans le chat s'il y a des sujets et si vous avez éventuellement un streamer qui serait en cours là en ce moment, chez qui on pourrait faire un raid après, histoire de reprendre les bonnes habitudes de KVMP. Tu ne sais pas de quoi je te cite, et tu ne sais pas de quoi nous parlons. Je m'en excuse, très cher Nidouille. N'auriez-vous pas fait un message sur ce KVM? Oh là ouais, c'est pas Pipi, c'est IP. Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est moi qui mélange les lettres, c'est pour me taquiner en plus.
Donc voilà, c'était de ça. J'ai parlé de ça parce que je trouve qu'il y a moyen de faire plein de choses intéressantes avec ce genre de produit. Donc j'ai hâte, moi aussi, à ce prix-là, j'ai hâte de tester tout ça. Et c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Bah, je regarde hein, si vous. Ouais, pour 20 balles, ça sera génial. Je suis d'accord avec toi. Un KVM à ce prix-là, ce serait dommage de s'en priver. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez aborder là avant qu'on termine l'émission. Oui, si c'est à base de. Oui, si c'est avec un. Ben, je l'ai montré le projet aussi, hein, bien sûr. Le projet PIKVM. C'était avant que tu arrives, tu vois. J'ai montré tout ça, effectivement. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des sujets que vous voulez aborder avant la fin. Je vais terminer. Alors, en essayant. Là, c'est pas la bonne idée, parce que j'ai tout démonté et pas remonté. Je vais quand même ranger hop, ça correctement. Hop. Voilà. Comme ça, je mélange pas tout. Et je vais vous montrer les derniers éléments que j'ai reçus pour la V2 du projet OpenLedRest que j'ai déjà emmené, que vous avez peut-être aperçu dans certaines conférences. Donc, oula, je vois que la caméra se met à ramer, ça sent une petite saturation réseau, tout ça. Voilà, c'est revenu. Ouais, non, ça rame à fond. Ouais, super. Ça va peut-être pas durer très longtemps ma démo alors parce que j'ai une latence de fou. Bref, comme ça vous avez le temps de bien voir. Donc j'essaie de regarder sur l'écran de contrôle d'OBS en même temps. Ouais, mais j'ai le signal qui part régulièrement. Ouais, ça sent le wifi qui part en cacahuète. Je l'ai pas branché sur câble aujourd'hui, j'aurais dû. Est-ce que j'ai mon câble qui peut arriver jusque là, peut-être? Voyons voir. Non, évidemment. Ça n'arrivera pas aussi loin. Ou alors je fais une rotation complète, quitte à vous faire vomir au passage. Alors, j'ai branché le câble. Est-ce que ça va stabiliser le flux? C'est pas sûr. On va voir. On fera court si c'est pas le cas. Ouais. Ça a pas l'air d'être le cas. Je pense qu'il passe quand même par le réseau Wi-Fi alors que je lui ai dit. Ah là là. Oui, ils sont connectés par un. Oui. C'est connecté par USB. Arrête un peu tes bêtises. Ça marchait très bien il y a 2 secondes. Est-ce que je peux lui forcer la main par USB? Yes. Est-ce que ça va marcher? Pas sûr. Yes. Voilà. Il y a un peu moins de latence. Non, c'est toujours. Bon, c'est le bordel. C'est pas très grave. Vous avez l'habitude avec moi des problèmes de latence. Je voulais vous montrer. J'en avais parlé. C'est un petit ensemble de borniers pour récupérer les broches de l'Arduino Nano que j'utilise sur le projet OpenLedRest jusqu'ici en tout cas. Hop. Et j'ai reçu également, mais là je ne l'ai pas ouvert encore, mais c'est un. Alors évidemment le temps que. Putain mais ça rame, hein, c'est sympathique tout ça. Je sais pas pourquoi ça s'est mis à ramer. On va étudier l'état du réseau Wi-Fi, je pense. Du coup. Pas si vous allez voir le paquet, mais si c'est un petit amplificateur pour que le projet OpenLedRest de la même façon, hop, je vais le mettre à côté que je puisse utiliser. Voilà, c'est vraiment très très long. Je suis en train de vous montrer, mais le flux vidéo n'est pas arrivé. Le petit haut-parleur qui va aller avec, et je pense que je vais m'arrêter là. J'avais d'autres pièces à vous montrer, mais là c'est un vrai calvaire. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Le reste fonctionne, on va pas se plaindre. C'est bizarre, c'est d'habitude, j'ai pas de soucis avec ça. J'utilise en fait mon iPhone, le logiciel Epoch Cam Pro, et derrière c'est la suite Elgato qui récupère le flux vidéo, donc il y a peut-être un truc qui va pas. Peut-être que j'ai pas mis à jour, ça c'est assez probable, mais pourquoi ça se met à ramer, je ne sais pas. Voilà, toujours est-il que le projet V2 OpenLedRest avance, suivant. Bah les petites idées que je suis allé piquer chez l'ami Framboise 314 qui a fait un très beau projet avec un très beau boîtier. Oui, reboot de la borne Wi-Fi ou du routeur, je sais pas. Le routeur fonctionne puisque c'est le même routeur qui sert là pour le flux du stream. Donc ça fonctionne. Mais le Wi-Fi, c'est possible qu'il y ait un petit OK. Donc oui, j'avance sur le projet de V2 d'OpenLedRest. J'ai un boîtier plastique, mais je sais pas s'il est assez grand. Je voulais quelque chose d'un peu plus volumineux pour faire exprès quand je vais en conférence que ça se voit et qu'on puisse ben, en prendre un petit peu soin
Parce que le petit boîtier que j'ai actuellement, il est très joli, mais faut que je le scotche dans un coin pour le protéger et tout. Donc c'est pas. Voilà. C'est pas une bonne idée d'avoir un truc trop petit quand tu le balades. Donc j'ai repris cette idée-là. J'ai repris l'idée aussi, j'ai acheté. Bah, ça, on s'en fout, c'est des connecteurs. Des connecteurs vissés. BNC, là, je vais essayer d'utiliser aussi. Et puis surtout, là j'ai commandé un petit écran, un petit, si finalement à l'arrivée, je crois que c'est un petit 11 pouces quand même. L'idée étant d'avoir une vue qui sera en même temps qu'il y aura la course et de proposer des choses là-dessus. Donc je maintiens le suspense de ce que je ferai avec, mais on en parlera dans les émissions successives. Oui, je parle de l'Open LED Race. Alors c'est pas lui qui a fait, hein, c'est un projet qui existe, Open LED Race. Mais oui, c'est le même cœur, c'est le même matériel, c'est le même logiciel. Et puis j'ai une V2 à faire parce que je vais aussi essayer d'utiliser une Raspberry Pi Pico pour avoir le côté Wi-Fi, ça me plairait bien. Donc on verra jusqu'où tout ça va. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non, vous êtes bien sage. D'accord. Ah ben j'ai OBS qui me dit que j'ai perdu des paquets réseau tout à l'heure. Ah oui, sans blague. L'encodeur est en surcharge. Bien sûr, ouais. Pourtant, le CPU, il a 20. Ah si, un peu plus que d'habitude. 24%, c'est un peu plus que d'habitude. Bref. Bref, bref. Avant que tout s'écroule dans de l'atroce souffrance. Non, je pense pas. Mais si vous n'avez pas d'autres sujets que vous vouliez aborder aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Moi, j'ai le boulot qui va reprendre. Le temps d'aller prendre un petit café et de profiter de la terrasse au soleil parce que j'ai encore du soleil, même si la météo nous prévoit une apocalypse de pluie d'ici ce soir. J'espère que vous allez passer à la fois une bonne journée et puis une bonne semaine. Et Nidou, il nous parle d'un raid chez Alain. Je ne sais pas qui est Alain. Si tu as un truc plus précis, oui, je veux bien faire un raid chez Alain, pas de problème. Je vais aller. Alors. Twitch, ça s'écrit comme ça. Il fait un bomb jack, bah, ça peut être sympa ça. Salut les enfants, ouais, je vais envoyer quand même le raid pour les curieux. Donc tu m'as dit, je vais copier le nom exact. Ah, lying. Ah oui, ok. Hop. Peut-être couper le son, que ça ne soit pas non plus hop de partout. Ah ouais, non, je me mets à ramer de partout. On va balancer le raid, mais j'ai peur que ça se fasse pas. Oh la vache. Ah ouais. Ah donc j'ai bien un petit souci quand même à la maison là. Je vais attendre que la pub termine. Et bon, on va faire ça. Passez une bonne journée. S'il y en a qui veulent rester 2 secondes avec nous, on envoie un raid chez. Alors là, le copier-coller qui marche pas évidemment. Tac. Chez Alaying. Et puis ben on se retrouve bien entendu dès la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, bye bye. Hop, le raid a été créé. En avant, 3, 2, 1, go. Allez, ciao ciao.